Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Istiklal, le magasin turquien. Donc on peut retrouver beaucoup de mobilier. Je vous ai mis une vidéo l'autre fois et vous avez beaucoup beaucoup aimé. Vous m'avez demandé les chambres à coucher. Donc je vais vous en dire un petit peu plus du coup sur le magasin. Il se trouve là à Cournon et je vais vous le mettre du coup en barre d'informations, l'adresse, numéro de téléphone, Instagram, etc. Ils font également les envois. Donc après ça dépend ce que c'est, mais n'hésitez pas à leur demander, il n'y a pas de souci après. Sachant qu'il y a aussi un magasin à Paris, il y en a aussi au Maroc. Enfin, après, regardez, n'hésitez pas à leur demander. Ils vous diront tous les renseignements. Moi, je vais commencer avec cette chambre à coucher. Alors, ici, on a une commode. Effet ici, donc blanc laqué. On a un petit peu une... Ça fait effet marbre, mais en vitre. Voilà, donc là, c'est des tiroirs. C'est plutôt pas mal. Les pieds, ils sont comme ça. Le chevet. C'est quoi, un tiroir ou une porte? Ouais, un tiroir. On a le miroir, pareil, là, à 200... Avec le pareil, avec le détail en marbre. 235 euros. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout, hein, des chambres, des salons. J'ai vu qu'il y avait des nouveautés dans les salons, des salles à manger. Je continue, du coup, je vous montre un pareil, donc on a un deuxième chevet à ce niveau-là. Ensuite, ici, ça fait un dressing. Voilà, pareil, au milieu, on a le marbre. Ça fait moitié comme ça blanc laqué et moitié miroir. Après, ici, on a les étagères, la penderie. Alors là, le petit bémol, c'est que je vois pas le prix. Je pense que ça doit être un nouveau modèle qui vient de... Parce que l'autre fois, il n'y était pas. Je vais voir. Je sais pas, mais je vais continuer du coup avec... on a ici ce meuble-là. Voilà, à 580 euros. Donc pareil, on a le même détail. Donc voilà, vitré. Ça, c'est une vitre. Hein. Ici, c'est marbre. Et là-bas, c'est blanc laqué. Et les pieds, voilà. On a deux miroirs. Avec la LED autour. C'est sympa. Miroir, voilà. Donc là, c'est 580 euros. Ouais, donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Il vient juste de la montée. Donc c'est pour ça que les prix ne sont pas affichés. Celui-ci, c'est 605 euros. Donc c'est la vitrine. Blanc laqué avec marbre. Du coup, ici, on a ces chaises gris et blanc. Donc ici, on est sur du bois blanc. Et ici, ça fait, je sais pas si c'est du cuir ou pas, en tout cas, ça fait effet cuir. Ça fait pas du simili-cuir, c'est pas si fin, c'est assez épais quand même. Donc les chaises, elles coûtent, c'est les chaises Scarlett, elles coûtent 150 euros. Donc le derrière, le petit détail, les coutures, voilà. Du coup, la table, elle coûte 520 euros. On est sur donc 2,60 m et 1 mètre de largeur. La table, elle est très jolie, parce que j'aime bien ici déjà, on a le petit on a liseré argenté, et là les pieds blancs laqués. Là, on a une super jolie chambre également. Je vous montre une vue d'ensemble. Et là, je vais vous montrer, du coup, on a ici cette commode, donc ce chiffonnier plutôt, pour 315 euros. Il a 5 tiroirs. Donc 5 tiroirs. Ici, on a cette armoire 5 portes pour 1000 euros. Voilà, donc 1000 euros. C'est la indigo, modèle indigo. Donc là, vous voyez, ça fait bois avec du gris. Ensuite, ici, on a le chevet. Donc indigo, il a 175 euros. On peut retrouver ici 2 tiroirs. Tête de lit capitonnée en velours de couleur beige. Alors le lit, il n'y a pas le prix. Sinon, donc ensuite, on a ici la commode. La commode, elle est à 300 euros. Voilà, 300 euros. Et du coup, on a ici deux tiroirs. On a une jolie horloge également. Il n'y a pas le prix d'indiquer. Je continue donc dans la continuité. C'est toujours le même style de meuble.
donc la gamme Indigo. Donc ce buffet, il coûte 480 euros. Voilà, on a quatre portes. Donc c'est gris, anthracite et couleur bois. Avec deux jolis miroirs ronds avec, voyez, on a le rappel du meuble. C'est très joli. Je continue avec la table. Ah, cette table, elle est vraiment très belle. Elle est vendue d'ailleurs. Donc ce modèle-là est vendu. Hop. Après, n'hésitez pas à leur dire. Ils en ont peut-être en stock. Ils en ont aussi sur commande. Il n'y a pas de souci. Donc ici, ce modèle, la table à manger, elle est à 400 euros. Donc là, ça fait couleur bois. Au milieu, on a une grosse bande avec donc couleur anthracite. Et les pieds sont en métal. Ça fait vraiment style un petit peu industriel. Très joli. Les chaises. Les chaises indigo. Et là, il y en a plusieurs. C'est un mix de couleurs. Donc les pieds sont en métal. Vous voyez. On a des petites barres comme ça. Ça fait tout un croisement. Ensuite, ici, la matière, c'est plus comme du daim. C'est une matière assez douce. Douce. Mais ouais, plus comme du daim. Du coup, on peut retrouver trois coloris, voire quatre. Ouais, trois. Donc on a couleur top. Donc là, c'est capitonné derrière. On a le beige. Elles sont très belles, ces chaises. Et on a celle-ci. Celle-ci, elle est sublime. Cette couleur-là. Ça fait un petit peu un marron orangé, mais trop trop beau. Ça va vraiment bien avec le style, avec le style de la table. D'ailleurs, il y a une très jolie décoration de table. Regardez-moi ces couverts. Ils sont super beaux. Voilà. Donc, je vous fais une dernière fois une vue d'ensemble. C'est vraiment très joli. On va continuer avec un salon. Du coup, ici, on a un joli canapé d'angle. Canapé d'angle, donc c'est le canapé. Voilà le modèle à 1650 euros. Donc là, on est sur deux matières. Alors ici, c'est un petit peu comme du velours. Et là, c'est pareil, c'est une matière très douce. C'est pas du velours, hein. Très, très, très joli. Donc il est en trois parties. Donc on a cette partie-là, celle du milieu de l'angle et celle-ci. Avec les petits détails, hein, les pieds qui sont en bois. J'essaie de vous montrer. J'essaie de bouger le moins possible, je suis désolée, hein. Voilà, avec les coussins qui sont capitonnés. Avec un petit strass au milieu. Très beau. Ensuite, on a ici cette petite vitrine, une porte. À 300 euros, elle fait en longueur 1,56 m. En largeur 52 et en profondeur 46. Donc vous voyez, elle est de couleur gris anthracite. Et ensuite, on a l'effet marbre au fond et les étagères sont en verre. Et de ce côté, on retrouve une vitrine deux portes. Donc c'est presque la même, hein, du même style, mais en deux portes. Avec ici, vous voyez, on a des petites barres de couleur cuivrée. Donc cette vitrine-là, elle coûte 465,30 euros. Je continue avec ce salon. Alors ce salon, il coûte le canapé, c'est un canapé 3 places. Très joli. 1100 euros, il coûte. Et c'est un canapé convertible en lit. De toute façon, la plupart des canapés turcs, ils sont convertibles, j'ai remarqué ça. Donc là, on a celui-ci. D'ailleurs, les tapis sont très très jolis. Il n'y a pas le prix des tapis là. Donc la table, celle-ci, elle doit coûter 150 euros. Je vous confirme ça juste après. On a ce canapé-là à 950 euros. C'est un deux places. Pareil, canapé convertible. Et on a celui-ci, ce fauteuil, à 450 euros. Donc là, c'est du tissu, hein, avec les pieds en bois. On peut retrouver les tables gigognes. Donc du plus grand au plus petit. Pour 150 euros. Et le tapis, il est d'une douceur. Alors là, je vous montre, j'en profite pour vous montrer, on a une promo sur ce canapé Elysia. Donc on a le canapé 3 places, 2 places et 1 place. Il est en promo à 1400 euros, c'est le modèle d'exposition. Voilà, au lieu de 2500. Donc là, on a le 3 places, le 2 places et le 1 place.
Je continue avec ce canapé-là, c'est un canapé d'angle de couleur gris anthracite. C'est en tissu. Ça fait un petit peu effet simili-cuir, mais c'est du tissu. On est donc sur deux couleurs avec les coussins, comme ça casse. Donc là, c'est un canapé d'angle Lorraine. Donc, du coup, 2200 euros. Voilà. Gris et beige. N'y a pas les dimensions, sinon je vous les aurais données. On a cette jolie table blanche laquée. Vous voyez avec les détails. Je continue avec ce modèle de table avec ces chaises. Elles sont super belles. Chaises médaillon. Avec le dessus là en velours. Donc velours violet. Après c'est pareil, c'est à vous de voir avec eux. Hein. Je pense qu'on peut commander d'autres couleurs ou quoi. Donc elles sont en bois blanche. Et elles sont à combien? Donc chaises, elles sont à 250 euros. Les là c'est pas cher, ouais. Les 6 au lieu de 900 euros. Regardez voir, hein. 250 au lieu de 900. Et c'est le modèle d'exposition. Donc il y a quand même des promos. Du coup la table elle coûte 650 euros. Donc ici ça fait effet marbre. Donc de forme rectangulaire. Ici les bouts sont ronds. On a ici cette une petite bande ici en métal. Et les pieds sont en acier, en métal chromé. Donc voilà. Ensuite on a ce modèle là. On a des jolies chaises aussi. On a vraiment pas mal de choix quand même. Donc, table à manger Briance. Elle a 549 euros. Donc voilà, rectangulaire. Et elle est simple, mais elle est très jolie. Alors, les chaises, pour le coup, il n'y a pas le prix, je crois. Mais elles sont vraiment très belles. Ça fait une espèce de cuir simili-cuir nacré. Voilà. Ici, on a la vitrine de porte brillance, donc à 580 euros. Donc avec ce détail-là, bon, il en manque un là, mais sinon il y en a deux. Comme celui-ci. Donc là, c'est la vitrine une porte à 389 euros. Et on a le meuble télé, donc brillance à 330 euros. Donc là, il y a deux portes et la petite niche au milieu. Avec les étagères. Donc je continue ici avec une chambre à coucher. Celle-ci, c'est la gamme Diego. Armoire 5 portes. Elle est à 1100 euros. Donc vous voyez, on a des petits détails comme ça en doré. Pas mal de rangements. Donc l'armoire, celle-ci, elle a 1100. On retrouve du coup le chevet à 160 euros. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs styles en fait. Celui-ci, ça fait un petit peu rétro. Du coup, on a une tête de lit comme ceci. Donc là, c'est couleur vert, vert bouteille. Vous voyez, avec les petits détails comme ça. Donc voilà, là, c'est du simili-cuir vert. Donc là, c'est pareil, hein, la tête de lit, je sais pas, il n'y a pas le prix. Je continue ici avec la commode. Voilà, il n'y a pas le prix également. Donc ce modèle-ci, je vous l'avais montré l'autre fois, je vous le remontre. Armoire, donc là c'est Elite, elle est super belle. Donc les couleurs crème avec les détails en doré, en métal. Elle a 1760 euros. On a les chevets. Les chevets sont vraiment très beaux. Et le lit, pareil, hein. Là c'est du velours. On a également la commode. Très 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 belle. Regardez les détails. Alors le lit coûte 515 euros. C'est donc il fait 1,20 m en hauteur, en largeur 1,73 m. Voilà. Et le chevet
coûte 255 euros le chevet. Là, je vous montre cette table-là, c'est la table Perry. Elle coûte 400 euros. Elle est blanche, mate, simple. Très simple. Donc, ces chaises, je vous les ai montrées tout à l'heure. Hein. Du coup, je continue avec le buffet. Le buffet avec, voilà, des petites perles comme ça, à ce niveau-là. Donc, les détails dorés. Miroir. Hop. On a un grand miroir, super joli. Donc ici, on est... Non, c'est pas le prix. Donc ici, le miroir coûte 135 euros et le buffet 330 euros. Après ici, on a une vitrine, une porte à 273,90 €. Et la vitrine, deux portes à 376,20 €. Oui, effectivement, donc les tables, je reviens sur la table basse que je vous ai montrée tout à l'heure. Enfin, elle coûte 180 euros, pas 150. Et c'est éphémère et c'est du vitre. C'est pas du vieux marbre, hein, c'est des vitres. Je vous montre ce modèle-là. Donc, ça, c'est un salon. On a du coup le fauteuil, il coûte 420 euros. Couleur rouge bordeaux. On a du coup le canapé, 950 euros. 950 euros, c'est 3 places et c'est un canapé convertible en lit. Il y a différents coloris de disponibles. Du coup, vous voyez, on a même des petites tables comme ça. Ça, c'est sympa. Elle rentre au niveau du canapé. Et du coup, le canapé de place, il n'y a pas le prix. Bah, ça doit être moins cher. Ensuite, je vais continuer avec les tables gigognes. Elles sont en promo à 159 euros. Donc marron avec les pieds cuivrés en métal. Il y en a trois. Et là, cette table basse. Il n'y a pas le prix également, mais regardez, elle est très jolie, cuivrée. Et alors tout à l'heure, je vous avais montré une table de ce style-là. Donc, et ici, on a ce canapé Diego, donc canapé de place. Vous voyez, donc gris, avec les petits coussins en velours. Donc double face, hein, avec du rose. Donc ça, c'est un canapé convertible. 750 euros. On a celui-ci également. Par contre, il n'y a pas le prix. Ah si, voilà. 950. Ils sont vraiment très beaux. On a la table basse, 150 euros. Donc vous voyez, il y a trois couleurs, gris, blanc et couleur bois. Après, on a le fauteuil, une place. Il y a différents coloris, hein, de disponibles à 400 euros celui-ci.